Eh oui, Games 2A TV avec Antoine 2A, Alexandre 2A et Rétro Morgan 2A. Et bienvenue sur... C'est toi qui as cadré là? Non. On est bien cadré, tu sais. C'est Rétro. Alors voilà. Bienvenue, nous allons vous faire une vidéo, nous allons vous présenter tous les dons qu'on a eus et les achats. Avant le confinement seulement, on n'a pas eu le temps de faire la vidéo avant, hein, parce qu'on était confinés. Mais maintenant qu'on est déconfinés, on en profite. Donc petit tour d'horizon de tout ce qu'on a eu pendant ce mois de mars, même si on est déjà en mai. Hein. Ok, on y va? Oui. Tout ça de suite après le... Générique. Le générique. Trop après les. On voit des vestes. Baisse. Ah stop. Ah stop. Oh putain. Stop. Voilà. Ah c'est bon. Touche plus. Alors on va commencer, bah tiens, par le dernier colis que j'ai reçu. J'avais commandé un magazine 10e planète, je sais pas si vous connaissez. C'est un... Ça pue. Moi je sens rien que... Oh Ignace Puzzo. Ignace. Si tu le croises dans la rue, t'as le nez qui saigne. Il est content. Putain de merde. Donc c'est un numéro spécial Ulysse 31, comme vous voyez, et bon, il y a d'autres dossiers hein, sur E.T., Harry Potter, Angel et Star Wars. Il est content de sa connerie. Hein, donc voilà, j'en ai quelques-uns, hein, pas une dizaine, mais j'ai quelques-uns de 10e planète de l'époque. C'est un magazine qui parlait surtout de produits dérivés, de figurines, tout ça, tout ce qui tournait autour bon, de l'univers geek en général, hein, donc cinéma, manga... et autres vieilleries voilà. Et en cadeau hein, comme je l'ai eu pour pas cher, j'ai dû l'avoir pour 4 euros. En cadeau, pour compléter le colis, il m'a mis ça, c'est gentil. Il y avait que ça dans le colis. Ouais. Que ça, et le truc était gros. T'as compris, ouais. Voilà. Et c'est un paquet. Mais non, autant il a des prix pour le Mondial Relay, parce qu'il a livré par Mondial Relay. Et du coup il m'a rajouté un petit porte-clés Pac-Man. C'est gentil, en forme de bande d'arcade. Ok. Allez, ça. On le garde pour la fin. Ça. Allez, tu veux le faire maintenant? Allez, on le fait maintenant. Ça aussi, c'est un des derniers colis que j'ai reçu. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec les jeux vidéo. Et ça va être complètement ça. Ça n'a peut-être rien à voir avec du cinéma. Ça n'a peut-être rien à voir avec le manga. Mais non, c'est du journal. Oh, t'as du journal. Oh, du journal, cool. Bon, en attendant, je vous montre ce que j'avais eu au vide-grenier de Porto Vecchio avant hein, que ça ferme, le dernier vide-grenier de Porto Vecchio. Un jeu ou un avant le confinement. Donc, j'avais eu Jackass sur PS2. C'est un jeu ça? C'est un jeu, voilà. Vous connaissez Jackass, hein, les casse-coups américains. Hein, c'était une émission qui passait sur MTV, ils en avaient même fait un film. Ah, t'as un mot. Et qu'est-ce qu'il dit dans le mot? J'espère qu'il dit les mots gentils. Facture. Oh, ah, super. Et Super Street Fighter 4 sur 3DS, édition 3D. Donc, voilà. Completo. Je me souviens plus du prix, franchement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, j'achète rarement des jeux à plus de 5 euros. Je pense que celui-là, je l'ai eu à 5 ou 4 euros. Et Tekken. L'autre, j'ai dû l'avoir 1 ou 2 euros. Ah, Tekken. Alors, c'est quoi ça? Tekken. Tekken, mais en film. Ouais, t'as pas en film. Pas fait Tekken, hein. C'est pas en animation. Ah, il y a un autre truc. Ouais. Attends. Non, on se mettra avec autre chose. Des bons becs. Ah putain, j'ai trop sympa. Voilà, j'ai bouffe. Bon, je sais pas ce qu'ils ont là, les vendeurs sur eBay en ce moment. Ouais, ils font des petits cadeaux. Autant ils sont empoisonnés, autant ils viennent de Chine. Ah non, mais c'est pas fini encore. Comment c'est pas fini? C'est bon, non. Donc bien, Tekken, le film, je ne connais pas du tout. Et bon, ça fait partie de la collection que je fais aussi. J'essaie de retrouver tous les films inspirés de jeux vidéo. Et notamment de jeux de baston comme Tekken. Mais non, mais moi je mange pas de mon bec. Regardez-le. Ouais, je peux voir. Ou pour Katia, ou pour bébé. Ah, bébé. Regarde, et si je meurs, c'est quoi le virus? Attends, c'est le glaire. Et tu vas manger pendant qu'on fait la vidéo? Bah non. 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 Pas du tout. Bah non. Oh non, hein. Là que vous êtes en train de faire. On regarde la vidéo. Il faut pas regarder la vidéo, faut la faire là. Ah. Bon, mais je fais tout seul. Hein. Hop, allez, hop, on vous enlève.
Hop, voilà, vous y êtes plus. Toi, ça te signe. Donc ça, c'était sur le vide-grenier de Bastia avant le confinement. Alors, il m'a dit qu'il marchait, mais je pense qu'il faut changer la batterie. Donc c'est un PS Move tout seul qui est normalement compatible PS3, PS4. Il me l'avait fait à 1€, je me souviens. Ça, par contre, je me souviens qu'il avait fait à 1€. Vraiment, il s'en débarrassait. C'est bien de trouver des gens qui font encore des prix vide-grenier. C'est super. Ça fait plaisir parce que ça se perd. Alors, ça, c'était moi, le... Tais-toi. Tais-toi. D'abord, j'explique. Ça, c'était le colis Mandarake que j'avais reçu en tout début de confinement avec le Lazerolam Dixor que je vous avais présenté brièvement. Mais donc, il y avait eu dans le colis également ceci. C'est pas un porte-clés, c'est un truc pour mettre pour décorer vos tablettes et téléphones avec la petite prise qui s'encoche dans la prise jack. Alors, vous voyez, c'est juste un objet décoratif. Ça, allez, vas-y, ouvre-le. On sait ce que c'est déjà. Tu sais ce que c'est ? Oui. Comment tu peux savoir ? C'est transparent. Alors, un manga Capcom versus SNK, c'est original aussi, mais en japonais. Mais je l'ai vraiment payé pas cher, 100 yens. C'est combien en euros ? Ça fait même pas 1€, voilà, même pas 1€. Je l'ai pris, voilà, parce qu'il était vraiment pas cher. Là, quand ça s'ouvre, c'est pas biographique. Pour le placement, putain, un peu des deux. Un petit porte-document Super Mario World 3D, World 3D. Voilà, ouais, ça pareil, j'avais vraiment pas payé cher hein, pour mettre les petits documents qui vont bien. Et j'avais eu aussi ce magazine, qui est pas vraiment un magazine, c'est un catalogue en fait de cartes de vœux électroniques ou à imprimer. Qu'est-ce que c'est encore ? Antoine. Tu répondras plus tard. Hein. Avec un petit CD-ROM, hein, où il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est voilà, de quoi passer commande. Alors voilà, c'était juste histoire de voir les visuels. Je croyais que c'était un magazine, et c'est en feuilletant que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout, pas trop en tout cas, un magazine. Mais ouais. Oui, mais bon, c'est un CD pour commander des trucs, en fait, dessus. Pour personnaliser, en fait, tes cartes de vœux. Voilà, c'est tout. Vous voulez un petit exemple ? Tout à fait. Tout à fait, voilà, petit exemple de carte de vœux que t'as vous pas eu du tout chercher ça. Non. Bah tiens, qu'est-ce que tu veux que je mette ? Zob la mouche. Alors Zob la mouche. Voilà, tu es content ? Vas-y. Bon, alors, tu t'en sors ? Un petit Megaman. Ouais, un petit Megaman. Oh, il le voit bien, hein ? Qu'est-ce que tu le montres bien ? Il y a que du petit maintenant. Non, si je fais pas l'effort. Bon, voilà, de toute façon, je vais sauter. Bon, c'est un petit porte-clés en fait, un gachapon. Oui, il y avait plein de trucs comme ça. Gachapon porte-clés. Sans le masque, ouais. Énervé. Voilà, il y a toute la série, et évidemment, on a eu le plus moche. Non, et surtout, ne le montre pas, hein. Garde-le pour toi, hein, surtout. Ah, il est très beau, voilà, il est ça vous montre voilà, un petit peu les gachapons de Megaman. Voilà. En SD, super deformed. Super déformed. Alors ensuite, on va faire le don de Yaya d'abord. Le don de Yaya. Yaya de B, notre ami, hein, qui nous fait souvent des dons et qui, je sais, va nous en faire encore beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous a offert ? Toute une chier de jeux PC. Allez, vas-y, montre, allez. Non, regarde, Soldner Secret Wars. Ah, juste de quoi ? De bataille. C'est un jeu de guerre où faut tuer. Et tu peux pas recadrer comme il faut. C'est toi. C'est toi qui as la télécommande. Voilà. Donc ouais, au fur et à mesure, tu les passes, tu les mets comme ça, d'accord ? Sinon on va pas s'en sortir. Allez, on essaie de finir tout ça en 10 minutes. Colin McRae Rally 2.0. Alors qu'on a un jeu de course qu'on avait déjà sur PS1. Off-road Arena. À voir s'il est meilleur sur PC, je sais pas, c'est pas sûr. Warm up. Alors off-road arena, donc c'est une course de tracteur, de truck et compagnie, c'est marrant. Warm up, je sais pas, c'est un jeu de formula. Desperate Housewives. Desperate Housewives, c'est une série. Vous connaissez pas Desperate Housewives ? Non. Il y avait ça c'est Eva Longoria, l'ex de Tony Parker. Qu'est-ce que vous en foutez ? Master Rally. Master Rally, comme son nom l'indique, un jeu de rally. Hitman. T'es chiant. Quoi ? Tu m'as dit de faire vite. Mais tu coupes pas la parole aux gens.
Commando. Et c'est nul. Vas-y, présente le jeu. Commando. Non, c'est nul. Donc Commando qui était quand même un très très bon jeu sur PC. Là ici c'est une version PC. Windows 98 XP, voilà, et même Millennium vous pouvez jouer. Voilà. Le crime de l'Orient Express. D'Agatha Christie, inspiré donc du célèbre roman d'Agatha Christie. Voilà, l'Orient Express, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est qui n'est pas... Enfin, l'Orient Express qui en lui-même existe vraiment, il n'est pas une fiction. Alors, ça va ? Ouais, c'est pas une fiction. Donc c'est un train très classe et on peut se faire des voyages en Orient Express, c'est mon rêve d'ailleurs, tu t'en fous. Allez. Virtual Skipper 3. Un jeu pour plus de 3 ans. Un jeu de voile. Ouais. Un jeu de voile pour plus de 3 ans. C'est un nul à chier. Ça a l'air chiant en effet. Il faut piloter une voile, mon dieu. Wow. Je pense que j'ai... Ouais, mais voilà, il y a différents modes. Il y a le trimaran, le catamaran, t'es pas marrant. Oh, José. Allez, Need for Speed Porsche 2000. Montre-le, hein. Need for Speed Porsche 2000. Putain. Need for Speed Porsche 2000. Voilà, et c'est quoi? C'est un jeu de voiture. D'Adine et de Speed. Ouais, c'est un jeu de courses de voitures. De voitures de course. Ils font des courses. En Porsche. Normal, c'est sponsorisé par Porsche. Ils vont chez Géant. Les courses, c'est ma grande passion. Regarde, les yaourts. Ils les ont mis en tête de gondole. Je suis sûr qu'il y a une réduction de 30% là-dessus. Vas-y. Prends la Porsche. Speedbuster. Qu'est-ce que ce sera? Encore un jeu de voiture. Un super rapide. Un jeu de voiture. Mais vraiment, merci Yaya pour tous ces jeux de voiture. Les Sims 4. Wouah, les Sims 4. Wouah, mais surtout qu'il y en a qui adorent. Je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, bon, il le fallait pour la collection. Ah, les Sims 4 collection. Non, tiens, pas en collection. Là, c'est... Parce qu'il existe différents Sims 4. C'est pas... Il n'y a pas Sims 1, Sims 2, Sims 3. Il y a Sims 1, Sims 2 machin, Sims 4 pour les, avec ton chien, Sims 4... Avec ouais, voilà, ou au spa, des tentes au spa. N'importe quoi. N'importe quoi. La collection de tous les Sims 4 sont dans cette collection Sims 4. Après, un jeu de merde. Marie la cavalière. Ouais, mais là, mets la série parce que là, passe vite, passe vite. Marie la cavalière. Alexandra Landerman 3. Alexandra Landerman. Les Derman, s'il te plaît. Les Derman 4. Le 4. 3, le 4. Ah, comme Rocky 4. Le 5. Le 5, 5 comme... les 5. Le 7. Oh putain, non. 7, ils sont allés... Oui, ils sont allés jusqu'à 7. Le 8. Et le 8. C'est super. Et puis, c'est à chaque fois différent. À chaque fois, faut nourrir ton cheval de façon différente. Un coup, t'as de l'avoine, un coup, t'as du blé. Oh putain. Ouais, ouais. Et des fois, il s'en bat, il s'en bat de l'avoine. José, ta gueule. José, ta gueule. José, ta gueule. Allez. Là, je sais pas qui c'est. Cool Borders 4, c'est aussi Yaya. Tout ça, c'est aussi Yaya. Okay. En fait, il m'avait filé, il n'y avait pas la boîte, mais il m'avait filé quand même la notice, le jeu, et j'ai pu voilà, compléter. D'accord. Voilà, un jeu Cool Borders 4. Ok. Tomb Raider, la révélation finale. Voilà, Tomb Raider. Qui, comme vous le voyez, n'est pas complet, il en manque un bout. Chouchou Rocket. Je précise quand même que c'est sur Dreamcast parce que tu précises rien. L'autre c'était sur PlayStation, hein, celui-là. Là. Sur Dreamcast, c'était le premier jeu en réseau sur Dreamcast. Ça n'a pas été un succès. C'est-à-dire, oui, ça a été un succès dans le sens où ça a été la curiosité quand c'est sorti. Pas comme Fortnite. Bah non, c'est sûrement moins bon que ton Fortnite de merde. Allez, Need for Speed Rivals sur PS4, un peu défoncé. Ça c'est pas grave, la jaquette on en trouvera une autre. Il y a le jeu dedans. Voilà. Oh, il est quasiment complet. Il est cassé, oui. Il manque qu'un bout de la jaquette en fait. Ouais. Alors Football Manager, Handled 2012 sur PSP. Alors déjà que j'aime pas les jeux de foot, mais les jeux de management de foot, bon c'est pas grave. Ah, toi, tu vas là-bas. Toi, à droite, toi, à droite aussi. Retrouvons-nous tous quand le soleil aura atteint la plus haute cime du Mons Riata. Bon allez. Allez, on s'en va. Le jeu officiel World Series of Poker. Voilà. Un jeu de poker sur PS2. Je me demande si on l'avait pas déjà. Peut-être. Parce qu'on a tellement de jeux de merde sur PS2. Mais... Gear of War jugement. On dit Gears. Sur Xbox et aussi. Il y a Gear. T'as pas dit sur Xbox Live. Sur Xbox. Gears of War. Ok. Sur Xbox 360.
Vers Ali 3 sur PlayStation. Alors, il y a marqué bundle copy. Je suppose que c'est. Non, c'est une version vendue avec la console, je suppose. Hein. C'est. Voilà. Parce autant que le code barre il est un peu bizarre d'ailleurs. Et ça, c'est quoi? C'est une bundle copy, même dedans c'est marqué bundle. Oh non, c'est pas un vrai jeu. Alors voilà. Voilà. Je sais pas exactement. Dites-moi hein, dans les commentaires si c'est vraiment ce que je pense, si c'est vraiment un jeu qui était vendu exclusivement avec une console. Si ce n'est pas le cas. Rally 3. Insultez-moi. Sur PlayStation 2. Alors on l'avait déjà. Bon, c'était sûrement le jeu de rallye le moins cher de PS2. Mais bon, il est pas si mauvais que ça. Hein. On l'avait essayé sur le simulateur auto. Des beaux jeux de 203 de 50 pesos. 50 pesos, quel mec est idiot. C'est un chanteur qui fait des combats. 50 Cent Bulletproof. Putain, c'est ouf. C'est un chanteur. Et... Non, c'est... Genre, je vais tirer une balle dans la tête. Et... Oh, ça se fait pas. Ratchet et Clank 2. Sur PlayStation. Il était venu à Porto Vecchio. Avant ah bon. Oui, bon. Oui. Pour chanter. Ou pour, ouais, pour chanter. Ouais, bah Elodie, elle est allée le voir. Et il y avait la salle était remplie au moins. Bah oui, c'était rempli. C'était rempli de friquets en tout cas. Moi j'ai pas voulu y aller, ça coûtait trop cher. Combien? 40 euros? Non, 10. J'ai pas d'argent. C'est 10 euros? Mais non, c'est pas 10 euros, ça c'est au moins 100 balles ce genre de truc. Ah, ils te vendent ça comme si c'était un concert. C'est n'importe quoi alors que c'est même pas un concert. Il intervient, il boit son champagne, il se casse. Ah, c'était au. C'était à Vianote. Ah oui, c'était à Vianote. Ah, je pensais qu'il était venu juste au. Non, mais dans Vianote, c'est n'importe quoi. Là-bas. Enfin bref. Allez, 007 Nightfire. 007 Nightfire. Un petit coucou à notre ami Paul François, 007 Corsica. Ouais. Mais si tu l'as pas, bah, je l'ai en double. Hein. Enfin, ça, j'ai pas l'édition Platinum. Si tu... voilà, au moins qu'il n'y a pas l'air de 007 Corsica. On ne sait pas. On n'a pas tous les jeux de basket, hein. On continue à collectionner, hein. On n'a pas tous. Singit spécial quoi? Spécial High School Musical 3. Ah, un petit coucou à Camilou. Voilà, High School Musical 3. Voilà, à utiliser avec vos micros pour chanter toutes les chansons de High School Musical 3. Ça va être génial. Best of. Attendez. Il y a deux jeux qui sont collés. Best of SmackDown versus Raw. Alors. Un jeu de catch quoi. Alors, ce n'est pas un jeu. C'est un film. C'est pour avoir un petit reportage, un documentaire, ce que vous voulez, un making of, voilà, de SmackDown versus Raw 2009. Mmh. Comment ils ont réalisé le jeu en fait. C'était un bonus hein, au jeu SmackDown. Ça me donne pas envie de le regarder. Hein. Je sais, j'ai pas eu le courage non plus. Pourtant, ils se sont cassés le cul à faire un Blu-ray quoi. Mais ça donne pas envie. Pas du tout. Alors, Batman Arkham City PS3. Oh, c'est pas trop mal ça. On l'a dit trois fois, on l'a joué plein de fois. Ah bon? On l'a déjà fini deux fois. Sur PC et sur PS3. À l'échange si vous voulez. Voilà, Batman Arkham City. Là aussi c'est lui. Ça aussi. Allez, voilà. New Super Mario Bros. Oui. Rouge. Oui. Rouge. Le rouge, ok. Roman. Super, voilà, allez, c'est bon. Ouais, Transformers. Un DVD Transformers. Bon, là, ce qui reste, c'est que de la vidéo. On l'a déjà eu, mais chez nous, là, je crois. Je sais pas si. Mais c'est pas un jeu, hein, c'est vraiment les dessins animés. Ouais, hein. ouais, on l'a déjà eu. D'époque. Voilà. Alors. Vas-y, essaye de lire. Dominion, c'est ça? Dominion. C'est ça? Ouais, Dominion. Dominion, Tank Police 2, je crois que c'est ça. Ouais, bravo. Donc, c'est une VHS hein, dans la collection manga Power Vidéo, là. Manga Vidéo. C'était en fait, c'est un peu comme Altaïa. En fait, c'était des vidéos qui sortaient chez le libraire. Et tous les mois, il y avait une nouvelle vidéo. Putain, ils mettaient ça dans les colis. Non, c'était pas. Mais Altaïa, là maintenant, c'est livré par colis. Mais sinon, à l'origine, c'est tu trouves ça en librairie. Tu avais un fascicule avec ouais, le plastique. Ouais, mais la fascicule, t'as été énorme alors. Mettre ça dans un fascicule. Bah oui. Eh bah oui, à l'époque, c'était des cassettes vidéo, figure-toi. Alors, Vénus Noir. Vénus. Je crois que c'est la guerre. Mars. Voilà, je connais pas, hein, c'est des mangas que je connais pas, hein, qui sont d'époque, hein, des années 90. Encore Dominion, Tank Police 1. Voilà. Alors, comme ça, on a le 1 et le 2. Pareil, je ne connais pas, mais en tout cas, merci Yaya, parce que je connexionne hein, tout ce qui est animation japonaise également. Et là, c'est qui? Nounours. Alors, le don, dernier don. Ah non, il y a ça. Ça aussi, c'est Yaya. Ça, c'est là-bas aussi. Ouais, non, ça, laisse tomber. Ça, donc, c'est un don de Yaya. Alors, c'est une voiture? Ouais, baisse un peu la caméra. Voilà. Ok, je baisse un peu la caméra. Voilà, un magnifique volant avec sa prise. Volant. Qui vous prouve bien que ça fonctionne sur PS2 et non pas sur PS3.
ou Super Nintendo. C'est un vrai jeu à l'envers. Oh, alors... regardez. Là, il dispose d'un axe qui lui permet de s'orienter. Comme c'est quoi, c'était fin alors... On dirait qu'il montre un truc de cuisine. Là. Là, vous disposez d'une croix multidirectionnelle. Vous appuyez en haut, ça va en haut. Vous appuyez en bas, ça va en bas. Vous appuyez à gauche, ça va à gauche. Vous appuyez à droite, ça va à droite. C'est quand même fantastique. Vous avez le bouton Start, Select, croix, croix, carré, rond, rond, rond et triangle. Hein oh. Ouais, Select, machin, tout, il y a tout, il est complet. Non, ouais, il manque les pédales. Je suppose qu'il n'y a pas les retours de force. Le retour de force, ouais, il n'y a pas les pédales, et exactement. Là, il a la prise DIN, justement, pour reconnecter un truc. Un pédalier. Ouais, un de con. C'est pas de la merde. Merci Yaya. Alors dans le don, il y avait aussi un présentoir Call of Duty, je me semble, mais je ou non, qu'est-ce que c'était, je sais plus. Bon bref, mais ceci dit, il prenait trop de passe, j'ai pas pu la porter. Allez, alors dernier don, le don de Nounours. Merci Nounours pour ce don. Je ne sais absolument pas qui c'est en fait, parce qu'en fait c'est un ami d'un ami. Et c'est Monsieur Nounours. C'est Nounours, le vrai de Nicolas et Pimprenel. Le nounours qui jette le sable dans les yeux. Allez, Spider-Man 3, le... Ta gueule. Bon, la notice. Bon, alors, on s'en fout. Notice de Spider-Man 3 bon. Sur Nintendo DS. Une manette Gamester. Gamester. C'est une manette... C'est comme GameStar, mais c'est Gamester. Voilà. Un câble rose. Donc, c'est un peu comme Big Ben, quoi. C'est... Ah, ok. Câble rose de quoi de... Va te pendre. Un câble rose. Un câble c'est rose pour aller. Oui, c'est ça, c'est iPhone, machin, le truc Apple. Voilà. Alors. Ouais, bon, c'est les téléphones, on s'en fout. Ça, les téléphones, on s'en fout. Ça, parce qu'il m'a donné plein de trucs, il n'y avait rien à voir. Ça, c'est PS3. Hein. PS3, il y a c'est USB. PS3, ce que j'ai dit. Donc voilà, DualShock 3, mais à rafistoler. Hein, si jamais je la filerai à Marco, parce que lui, je sais qu'il aime bien les PS3. Un truc. Un adaptateur, voilà, il y a des adaptateurs vidéo, ça on s'en encore fout. Encore une PS3. Ça, non, ça c'est PS2. Putain. Tu en as marre de quoi? Oh, c'est PS3 et PS2. Mais c'est pas pareil, mais tu vois bien que c'est PS3, que c'est PS2. C'est la même chose, regarde, c'est pas la même chose. Côté. Mais là, il y a un fil, depuis quand il y a un fil sur la PS3? Oh, et c'est en face. PS2, voilà. Mais t'énerve pas. C'est une adolescente. Ah oui, vous entendez, il a mué. La télécommande, recadre un petit peu au rétro-jeu là. Recadre. Oh. Elle est où la télécommande? Je sais pas, regarde. C'est lui qui a la main. Ah pardon, on coupe ce montage. Allez. Ouais. Un iPod. Ouais, bon, c'est un simple. Un iPod, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Dirt Dance 2 sur Wii. Allez. Ouais, on va danser. Dirt Dance 1, je pense. Attends. Just Dance 1. Wii Fit. Oh, tu vas tomber encore un truc, toi, petite gueule. C'est un conscient, et deux conscients, et trois conscients, et subconscients. Wii Sport. Ouais, on va faire du sport. Pool Party. Pool. Sport Island 2. Ah non, Pool. Pool. Sport Island 2. Ah, il y a une bête. Donc, un jeu de. Il y a un truc qui bouge. Un jeu de snooker. Il a salté, c'est tout. Il a peur de la saleté. Mais c'est rien ça. Ouais, mais il bougeait. C'était la saleté que j'avais bougé. Oh, mais quel idiot. Alors, oui, Sport. Mais tu as même pas proposé. Oui, mais attends, il sait pas parler. Sport Island 2, un jeu de Hudson. Non. Donc, avec plusieurs c'est sports, multisports. Où on peut jouer à jusqu'à 4, ça c'est sympa. Avec 4 Wiimotes, si vous avez 4 Wiimotes. Et il y a besoin du Nunchuk. Allez, Wii Sport Resort. PS 2012. Ouais, bon, ça c'est classique. PES, pas PS. Mmh. PES. PS 12, la PlayStation 12 sur PlayStation 12. FIFA 8. Avec. Ribéry. Tu peux de la gueule. Ignace. Ouais. Ouais, un câble, allez, c'est bon, un câble. Ah, c'est un adaptateur ouais, pour manette, ouais. Un truc bleu. Une Wiimote bleu, ça c'est sympa. Puis rose. Ah, une Wiimote rose, c'est sympa aussi. Mais ça a l'air d'être des vrais, hein. Oui, et puis oui. Et Nintendo derrière. Ouais, oui, c'est des vrais. Oui. Alors, il n'y a pas. J'ai pas les consoles. J'ai plus rien maintenant. C'était des Wiimotes. C'est comme Retropad. Retropad, lui, son truc, c'est de jeter à chaque fois les trucs sur la table. Un petit coucou à Retropad. Allez, on s'en fout. Allez. Bon, ça, on s'en fout. C'est un truc JBL, je sais pas.
Ça, on un anti-moustique. Ah, non, c'est un chargeur de pile. Enchaîne, enchaîne. Non, c'est pas, attends, c'est tout dans le micro. Ouais, bon, après les câbles comme ça, on s'en fout. Là, c'est un truc pour muter son micro et démuter son micro. Ouais, mais en fait, non, c'est la prise du casque. Le casque Xbox. Ok. Alors, une manette PS3. Trois. Ouais, ah ouais, ouais, il s'est pas trompé. PS3, bon, qui est un peu défoncé, mais pareil, je vais essayer de voir avec Marco s'il peut faire quelque chose, ça peut l'intéresser. Ça, c'est pour utiliser le Kleenex, non? C'est le Kleenex. Non, j'ai dit oui, c'est pour se moucher dedans, tu vois. Ça tombe bien parce que là, j'ai la mort qui tombe. Alors. Non, j'ai dit le Kleenex. C'est pas le Kleenex. Kinect. Ah, oh, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est le Kinect pour Xbox. Xbox quoi? Xbox. 32. Non, non, Xbox One. C'est le Xbox One, pardon. Oh, la classe, quand même. Xbox One. Quand même une console qui est encore un tout petit peu d'actualité. Alors entre un adaptateur de... Ouais, bon, et on s'en fout. Et on s'en fout. Et on s'en fout. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette pénible vidéo, parce qu'elle est vraiment pénible avec eux. David Lafarge Pokémon. Ah, purée. Et arrête avec ton David Lafarge Pokémon. Le jour où il fera de la pub pour nous, on fera de la pub pour lui. Bah si on le fait, il va nous faire. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Booster, il va faire des boosters Zelda. Allez, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ouais. Au revoir.